T'es avec le manga Canon hier? Ouais, je l'ai vu. Canon était super mignonne. Je m'appelle Tomoya Minato, et je suis un lycéen moyen de seconde. Yuri Asahina est dans la même classe que moi, et nous sommes aussi dans le club d'art. C'est une amie avec qui je peux parler de choses bizarres. Elle et moi, nous ne distinguons pas vraiment en classe, donc nous nous entendons bien. Ce jour-là, nous parlions des derniers animés populaires, comme d'habitude. À l'instant... Hé, regardez-vous tous les deux. Vous discutez encore aujourd'hui? Teruyuki? Teruyuki Ikeda est un garçon populaire et extraverti de notre classe qui me taquine souvent. Oh, je vais être honnête, je pensais que vous sortiez tous les deux ensemble. Non, il n'y a rien de tel entre nous. Ouais, ce n'est pas ça. C'est vrai? Waouh, je pense que beaucoup de gens dans la classe se font de fausses idées alors. Yuri ne doit pas être contente que ces rumeurs se répandent sur elle et moi. Yuri et moi n'avons rien de spécial, même si elle a un beau visage. Mais elle et moi avions de bonnes raisons de ne pas vouloir que les gens répandent ce genre d'humeur à notre sujet. Je dois me préparer pour le prochain cours. Oh merde, c'est vrai! On doit aller dans une autre salle de classe pour le prochain cours. Merci de me le rappeler. Pas de problème. Nous nous sommes tous précipités vers notre prochain cours. En chemin, j'ai remarqué que j'avais oublié quelque chose. J'ai oublié mon carnet, vas-y. D'accord, ne sois pas en retard. Bien sûr, je n'ai pas beaucoup de temps, je ferais mieux de me dépêcher. Après m'être séparé de Yuri, je me suis dépêché de reprendre le chemin que j'avais emprunté. En chemin, j'ai croisé une autre camarade de classe, Karen Tsukishima. Ce faisant, j'ai remarqué qu'elle avait fait tomber quelque chose. Hé, je crois que tu as laissé tomber ça. Tu as vu à l'intérieur? Tu l'as vu? Non, je n'ai pas vu. Oh, d'accord, merci. Après avoir dit seulement ça, Karen s'est précipitée. Eh ben... Je l'ai ramassée pour elle et elle me regarde comme ça. Karen Tsukishima est considérée comme la fille la plus sexy de toute l'école. Elle est l'élève la plus parfaite qu'on puisse imaginer, avec de très bonnes notes et des capacités sportives, sans oublier qu'elle est très populaire. Une fille dont tout le monde serait jaloux, Karen, et moi, un gars modeste et ennuyeux. Bien qu'opposés, elle et moi sommes voisins de palier, et nos familles sont très amies. En d'autres termes, c'est une amie d'enfance. Mais depuis le collège jusqu'à aujourd'hui, elle et moi n'avons jamais eu de véritable conversation. Tout ce que nous nous sommes dit au cours des 5 dernières années n'était que le strict minimum, comme lorsque nous distribuions des documents ou transmettions des messages de la part d'un professeur. Même dans ces moments-là, nous ne nous regardions pas vraiment dans les yeux. Je suppose qu'elle me déteste vraiment après tout. Nous ne nous parlons peut-être plus maintenant, mais jusqu'à l'école primaire, nous étions les meilleurs amis du monde. C'est pourquoi il est si triste de penser à la façon dont les choses ont tourné entre nous. Moi, le gars discret, et mon opposé, la super populaire Karen. La fille qui n'est plus du tout dans ma catégorie ne me parle plus comme avant. La cloche a sonné, je me suis dépêché de prendre mon cahier, et j'ai couru jusqu'à mon prochain cours. Je profitais de mon jour de congé. Je dormais aussi longtemps que je le voulais. J'ai dormi beaucoup trop longtemps, même s'il n'y a pas d'école aujourd'hui. Il fait encore nuit dehors. Je me suis dit que c'était un peu étrange, alors j'ai regardé autour de moi. Et je dormis si longtemps que c'est encore la nuit? Les rideaux sont fermés. C'est drôle, je me souviens pas les avoir fermés. Hein? Qu'est-ce que Karen fait à dormir dans mon lit? Quand je me suis réveillé, Karen dormait paisiblement à côté de moi. Des menottes? Ce qui était encore plus bizarre, c'est qu'on m'avait mis des menottes. J'étais si confus que je ne savais pas quoi penser de la situation. Tomoya? Bonjour. Bonjour? Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé correctement. Tu as raison. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle vient de se réveiller, mais elle a l'air de flirter. Tomoya, la nuit dernière était géniale. Quoi? Oui, le lit était si chaud et confortable. C'est ce que tu voulais dire? Tu vas me donner une crise cardiaque. Je me suis redressé et j'ai fait face à Karen pour lui demander ce qui se passait. Comment tu es entrée dans ma maison? Je pensais avoir fermé la porte à clé. Ah, maman m'a donné une clé. Hein? Maman? Pourquoi elle parle de ma mère comme ça? Elle m'a demandé de prendre soin de toi, au cas où quelque chose arriverait. Putain, maman! Quelques mois plus tôt, mon père a été muté loin pour son travail et ma mère est partie avec lui. À cause de ça, je vivais seul dans la maison. Même si Karen et moi nous sommes éloignés au collège, elle est restée amie avec ma mère. Apparemment, ma mère a donné à Karen une clé de la maison pour qu'elle puisse prendre mes nouvelles, et s'assurer que tout allait bien. D'accord, mais quand même, pourquoi tu étais dans mon lit?
Ma mère et mon père sont partis depuis un moment déjà. Ce n'est pas comme si j'avais eu des problèmes avec quoi que ce soit. Eh bien... Hmm? Je suis venue te reprendre. Quoi? Tu devrais abandonner cette fille. Elle se joue de toi, tu sais. Qu'est-ce que tu racontes? Yuri Asaina, elle te trompe. Avec Teruyuki Ikeda. Hein? Me tromper? J'en ai la preuve. Je les ai vus de mes propres yeux se tenir la main lors d'un rendez-vous. Je ne peux pas te laisser avec une fille qui te trompe. Je suis venue t'aider. Je pense que tu te trompes. Non, je ne me trompe pas. Je l'ai vu de mes propres yeux. Aussi... Hein? J'ai le béguin pour toi depuis longtemps, Tomoya-kun. Quoi? Alors, si tu dois sortir avec quelqu'un comme Asaina-san, tu devrais sortir avec moi à la place. S'il te plaît. J'ai été choqué par l'aveu soudain de ses sentiments. Je n'aurais jamais imaginé que mon ami d'enfance, qui m'a à peine parlé depuis le collège, me dirait quelque chose comme ça. Karen continue de me faire part de ses sentiments, en gardant la tête baissée. J'ai eu tellement de regrets jusqu'à maintenant. Tu as toujours été très gentil avec moi et tu as toujours passé du temps avec moi, même quand j'étais timide. J'ai toujours eu un faible pour toi. Karen. Mais l'instant d'après, tu sortais avec Asaina-san. Je regrette de ne pas t'avoir au moins dit ce que je ressentais. J'ai fini par abandonner et je me suis dit que tant que tu étais heureux, ça me suffisait. Mais maintenant que je sais qu'Asaina-san te trompe, c'est différent. Si tu n'es pas heureux avec elle, alors je vais te voler à elle. C'est pour ça que je t'ai menotté. Pour que tu ne t'échappes pas et que tu ne retentes pas voir Asaina-san. Je ne te laisserai jamais t'échapper. Mais Karen, tu as tout faux, calme-toi. Je pensais que tu me détestais. Te... détester? Pourquoi tu penses ça? Tu m'as à peine parlé depuis le collège. On s'est à peine parlé depuis le collège, mais techniquement... Je n'étais pas zéro. Mais comme parfois, quand j'essayais de lui parler, il me semblait qu'elle essayait de m'éviter, j'ai supposé qu'elle ne m'aimait pas. Je veux dire, tu es si beau. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Beau? En maternelle et en primaire, je t'aimais bien parce que tu étais mignon. Mais quand nous sommes entrés au collège, en te voyant dans cet uniforme, je me suis dit que tu avais l'air tellement bien. Tu avais l'air tellement adulte que je ne pouvais pas te regarder dans les yeux et te parler sans devenir nerveuse. Alors, quand tu me fixais? Te fixais? Est-ce que j'étais si nerveuse que je faisais une drôle de tête? C'est pour ça? Elle avait dit que j'avais l'air adulte. Mais depuis le collège, elle a toujours eu l'air bien plus adulte que moi. Comme Karen devenait de plus en plus belle, les gens ont commencé à lui accorder de plus en plus d'attention. J'ai supposé qu'elle devait me détester. Vu que j'étais si ennuyeux. S'il est vrai que j'étais trop timide pour te parler directement et que je t'ai donc évité, j'ai tout de même essayé de t'approcher. Mais j'ai essayé de m'approcher de toi. Je n'ai rien marqué. Par exemple, quel genre d'approche? Tout d'abord, j'ai glissé mes sous-vêtements dans ta commode. Quoi? Maintenant qu'elle en parle, je crois que je sais de quoi elle parle. À l'époque, maman était encore à la maison, alors j'ai supposé que les siens s'étaient mélangés aux miens d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant que j'y pense, c'était un motif anormalement mignon. En échange, j'ai emprunté quelques-uns de tes vêtements. Vraiment? Comme je les ai retrouvés quelques jours plus tard, je n'y ai pas pensé. Mais j'ai remarqué que certains de mes vêtements disparaissaient de temps en temps. Ça devait être... Cette chemise est aussi la tienne. J'ai trouvé qu'elle me disait quelque chose. C'était probablement moi, mais je les rendais toujours dans la semaine, donc il n'y avait pas de problème, n'est-ce pas? C'est donc pour ça que les vêtements disparus sentaient toujours l'assouplissant quand je les retrouvais. Je te sentais aussi dans ton lit. Je n'avais pas besoin d'entendre ça. En échange, je te laisse me sentir. Cette odeur de fille dans mon lit, c'était Karen tout le temps. Si vous voulez appeler ça une approche, alors je suppose qu'elle m'a approché. Mais comment aurais-je pu savoir qu'il s'agissait d'une approche de sa part avec seulement des événements mystérieux comme l'apparition de sous-vêtements et la disparition de mes vêtements? Son approche n'a pas fonctionné. Je ne savais même pas s'il était juste d'appeler ce qu'elle a fait une approche. Ah, et comme j'avais le béguin pour toi, j'avais toujours ses photos sur moi. C'est son livre d'étudiant. Karen sort une douzaine de photos de son livre d'étudiant et me les montre. Quand tu as pris ça pour moi, j'étais vraiment inquiète, tu sais. Ouais, je pense que la plupart des gens seraient bizarres s'ils voyaient quelqu'un transporter des photos de quelqu'un qui n'est pas leur copain ou leur copine.
Je ne suis pas douée pour prendre des photos, alors j'aurais été gênée si elles avaient été vues par quelqu'un. C'est pour ça que t'étais inquiète ? Oui, pourquoi je le serais sinon ? Je veux dire, si tu y réfléchis normalement, c'était pas bizarre d'avoir des photos de moi sur toi ? Comme je l'ai dit, je suis désolée de ne pas savoir prendre de photos. Mais je voulais juste te montrer à quel point je t'aime. Ce sont pas tes talents de photographe qui me posent problème ! Waouh, tu as vraiment mis beaucoup de ces photos là-dedans. Si on a de l'amour, ce n'est pas un problème. Non, je veux dire, physiquement, c'est impressionnant. Tu m'aimes pas en retour ? Hein ? Tu n'as pas remarqué mes approches et tu avais l'air contrarié quand je t'ai montré les photos. Non, ce n'est pas ça. Je n'étais pas fâché, j'étais juste surpris que tu aies ces photos de moi. Celles du collège et du lycée ont certainement été prises à mon insu. Vraiment ? Vraiment, vraiment ! Mais tu ne m'as pas remarqué alors que je t'aime tant. Tu peux m'en vouloir ? Si tu aimes quelqu'un, il devrait te remarquer. C'est quoi cette logique ? Ugh. Je vois. Je suppose que tu préfères vraiment Asahina-san. Mais pourquoi tu penses ça ? Karen n'arrêtait pas de dire des choses ridicules. J'ai essayé de lui expliquer qu'il était presque impossible pour moi de remarquer de telles approches, si on peut même les appeler ainsi. Manifestement, Karen n'était pas douée pour exprimer ce qu'elle ressentait. Karen, je pense qu'il y a beaucoup de malentendus, alors laisse-moi t'expliquer. Des malentendus ? Oui, tu as dit qu'Asahina et moi sortions ensemble, mais ce n'est pas le cas. Mais il y a des rumeurs qui circulent dans la classe. Ce ne sont que des rumeurs. Le fait est que nous ne sortons pas ensemble. Ah, vraiment ? Mais tu es à deux doigts de faire d'elle ta petite amie. Ça ne te dérange pas qu'elle ait des rendez-vous avec un autre garçon ? On n'est pas à deux doigts d'être copains et copines. Y'a rien entre nous. Tu ne l'aimes pas comme ça ? Mais vous êtes si proches. Je pense que nous sommes proches, mais je ne l'aime qu'en tant qu'ami. Je n'ai pas de sentiment romantique pour elle. Je savais aussi qu'elle et Ikeda sortaient ensemble. Hein ? En fait, Asahina et moi avons discuté des personnes que nous aimions. Alors, Asahina-san aime Ikeda-kun ? Mais... Je lui ai donné des conseils du point de vue d'un homme. Je ne sais pas si c'est grâce à moi, mais ils ont commencé à sortir ensemble. Je vois. Mais, encore une fois, je ne sais pas dans quelle mesure j'ai aidé, mais ils sortent ensemble maintenant. Karen a dû les voir se tenir la main lors d'un de leurs rendez-vous, et c'est à ce moment-là qu'elle a pensé qu'il y avait de la tromperie. Dans ce cas... Ouais. J'ai parlé de toi, Asahina. Moi ? Ouais. J'ai aussi le béguin pour toi depuis longtemps. Karen a dit qu'elle m'aimait bien depuis longtemps, et moi aussi je l'aimais bien depuis longtemps. J'en avais parlé avec Yuri. Il s'avère que c'est la cause de ce malentendu. Au collège, il y a eu des moments où j'étais trop timide pour te parler. Tu devenais de plus en plus mignonne, et je me demandais si c'était bien pour un gars comme moi de te parler. Quoi ? J'avais un complexe d'infériorité. Comme si je n'étais pas assez bien pour toi. Pas assez bien pour moi ? Ne sois pas bête ! Merci. En tout cas, c'est l'excuse que je me suis donnée pour justifier le fait que je t'évitais. Mais j'ai fini par me dire que je ne pouvais pas continuer à penser comme ça. Alors il y a eu des moments où j'ai rassemblé tout mon courage et j'ai essayé de te parler. Et puis, j'étais timide aussi. Alors j'ai dû passer pour quelqu'un de froid. Oui. J'ai pensé que tu me détestais et je me suis dit qu'il valait mieux ne pas te parler. C'est pourquoi j'ai arrêté d'essayer. Je vois. Mais j'étais comme toi. Trop timide pour te dire ce que je ressentais vraiment. Même si je pensais que tu me détestais, je t'ai toujours aimé. Tomoya... Si Karen avait commencé à sortir avec quelqu'un d'autre, j'aurais regretté n'avoir rien fait, comme Karen l'avait dit. Même si Karen s'est trompée en pensant que je sortais avec quelqu'un d'autre. C'est pourquoi j'ai commencé à travailler pour devenir quelqu'un qui vaut Karen. En plus, en voyant Yuri commencer à sortir avec Ikeda, j'ai eu l'impression que je pouvais le faire aussi. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais je veux commencer à penser à mon apparence et à étudier davantage tout ce qu'il faut pour être un homme digne de toi. Je savais que je n'arriverais jamais à rien en restant assis à me chercher des excuses. Si je faisais ça, je n'aurais que des regrets. Je sais que je n'ai encore rien accompli, mais je veux être avec toi, Karen. Tomoya, je m'en fiche, je t'aime comme tu es. Quelle que soit la raison à laquelle je pensais, je ne pouvais pas nier les mots gentils de Karen. Je savais qu'il n'y avait qu'une chose à faire. Karen, s'il te plaît, sois ma petite amie. Bien sûr. Et juste comme ça, même s'il y a eu quelques problèmes en cours de route, Karen et moi vont commencer à sortir ensemble. Et puis,
C'est vraiment toi. J'ai dû me contenter de ton odeur jusqu'à présent. Alors, laisse-moi faire, d'accord? Karen s'est accrochée à moi, comme si elle essayait de rattraper tout le temps perdu qu'elle n'avait pas pu faire avant. Tu pourrais au moins enlever ces menottes? Je vais le faire. Laisse-moi juste te tenir un peu plus longtemps. Ok. Combien de temps encore? Au moins une heure. Une heure? Karen était follement amoureuse de moi. Mais je l'aime aussi. Son amour est peut-être trop fort parfois et peut l'amener à faire des choses bizarres. Mais tant qu'il vient d'un lieu d'amour, alors je suis d'accord avec ça. À l'avenir, je dois devenir un homme capable d'accepter ses manières intenses de montrer son amour.